Shibava so, Shepherd so, Savior of a soul, Lover of a soul. We are on the Lord's side. We will never give up. We thank you because you are a good God. Our most holy Father, we thank you for you brought us again to hear from you. Lord, we are your little children that you have decided to nurture by yourself. Gather, to bring to your kingdom by yourself. Lord, we say thank you so much for all you've done so far. Thank you for all the investment you have invested into us, O God. Many we have made use of, and so many we have just neglected. Father, we are asking for mercy for all those we have not been making use of. I ask, O God, that you give all the grace, O God, to begin to make use of all the investments you have invested into us on this mountain in the name of Jesus Christ. Amen. Father, I am a little child. I know nothing but you. Father, have mercy upon me for all the words you have used to speak before that I was not the doer of the world. Forgive me, O God, purge me, and make me the doer of this very world. You be speaking right now through me in the name of Jesus Christ. Amen. Father, I and your son, we surrender unto you. Let every ear be open to hear from you. Let every heart be fettered, and let the word of becoming, O God. Father, over bear fruit in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, precious Father, because I know every form of distraction has been chased out, O God. Every spirit of mind wandering, butterfly spirit, I bind you out from this now in the name of Jesus Christ. Amen. Blessed be your holy name. Holy Spirit, take over my tongue, take over everything, and let the name of our Lord Jesus Christ be glorified. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brethren, by the mercy of God, we have a message for the throne of God. It's a question that I have to answer and you have to answer. Also. C'est une question que vous et moi nous devons répondre. Intitulé, are you expecting Christ in holiness or in iniquity? Attendons-nous Christ dans sa sainteté ou dans l'iniquité? Ça, c'est une question. The Lord knows that we all are expecting Him. Le Seigneur sait que tous vous l'attendez. How are you expecting Him? Mais comment est-ce que vous l'attendez donc? Are you expecting Him in pureness? Vous l'attendez dans votre in dans pure purité, heart, dans un cœur pur, or in sin and iniquity? Ou dans le péché ou dans l'iniquité? I want you and I to understand that we must surely meet Him someday. Je veux que vous et moi nous savions que un jour nous allons le rencontrer. So Lord, we are born again. We have been registered among those that must surely face judgment or enter heaven or hell one day. Si, tant que nous sommes nés, nous avons été enregistrés dans ceux qui iront en enfer ou au paradis. I thank God. There's nobody here that will say you have never seen anybody dying. Every home on this mountain have seen somebody dying.
or somebody must have ever died in your family. Je dis merci parce qu'il n'y a personne sur montagne qui dira qu'il n'a jamais vu personne mourir. Is that your great grandfather, your father, your grandfather have died someday? Est-ce que c'est votre grand-père, vos aïeux, mais ils ont passé des vies. So therefore, either in rapture, in death, you will surely see him one day. Dans le ravissement, dans la fin des temps, vous le verrez un jour. It's either you expect to see him after death or you expect to see him in rapture. Ou vous espérez le voir après la mort ou après le ravissement. So therefore, how are you expecting him? Comment est-ce que vous l'attendez donc? In sin or in iniquity? Dans le péché ou dans l'iniquité. Now, how will the Lord see you on that day? Comment est-ce que le Seigneur vous verra ce jour? When you shall sleep and die, lorsque vous allez dormir et mourir, as your soul is coming from distance, et comme votre âme viendra, what will the Lord say concerning you? Qu'est-ce que le Seigneur dira vous concernant? The Bible told me something. La Bible m'a dit une chose. In John chapter 1 verse 47. Dans Jean chapitre 1 verset 47. While Christ was on earth here, lorsque Christ était encore sur terre, the Bible says. La Bible dit. Jesus saw Nathanael. Jésus a vu Nathanael. Coming to him. Venu vers lui. And said of him. Il a dit. Behold, an Israelite indeed, whom is no guile. Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Je vois l'Israël en toi. If Christ, pas de garde. If Christ, while he was on earth, si Christ, lorsqu'il était sur terre, know Nathanael from distance, Nathanael à distance, that Nathanael was an Israelite indeed. Et Nathanael était un Israélite. Let me relate it to now. That Nathanael was a Christian indeed. Je vous dis que Nathanael était un vrai chrétien. He knew everything about him. Il a su, savait tout le concernant. I said, behold, il dit, attention, a Christian indeed. Un chrétien, en fait. In whom there is no sin. Dans qui il n'y a pas de péché. In whom there is no guy. Dans qui il n'y a pas de péché. I wonder how Christ would be happy on that day. Je vois comme je ne peux pas savoir comment le Christ devait être content ce jour. Sin is creation that has no sin. Voyant sa créature qui n'a pas de péché. And I said to myself. Et je me suis dit à moi. How would the Lord see my soul on that day? Comment est-ce que le Seigneur verrait mon âme ce Behold jour? My son Emmanuel. Attention mon fils Emmanuel. What will follow then? Qu'est-ce qui suivra donc après? Behold my daughter. Attention ma fille. Behold the soul of my daughter coming. Attention, ça c'est l'âme de ma fille qui est en train de venir. Will he say? Est-ce qu'il lui dirait? In whom there is full of sin. Est-ce qu'il dirait? Dans elle, il y a beaucoup de péché. In whom that never want to hear my word when he was on earth. Oh, il dira, ah, c'est qui ne voulait pas entendre ma voix lorsque j'étais sur terre. In whom the garment is full of iniquity. La personne que le vêtement est plein d'iniquité. What the Lord did here in this John chapter 1 verse 47. Ce que le Seigneur a fait dans Jean 1 chapitre 47. Made us understand what he will do when we, after death. Nous a fait comprendre ce qu'il fera après la mort. Behold, that soul is coming. Attention, cette âme entière. Tell that soul is not qualified to enter the kingdom. Dites à cette âme qui n'est pas qualifiée d'entrer dans mon royaume. Behold, the soul of that daughter is coming. Attention, ça c'est l'âme de notre. In whom there is a filthy tongue. Dans cela, il y a une langue sale. Let her know that she don't deserve to be here. Qu'elle sache qu'elle n'est pas qualifiée pour être ici. How are you expecting to see him on that day? Comment est-ce que vous espérez le voir ce jour? The Bible told me and you. La Bible a dit à vous et moi. If anyone want to see the Lord in holiness, si chacun d'entre nous voudrait voir le Seigneur dans sa sainteté, or rather in glory, ou dans sa gloire. First of all, that person must be born again. Premièrement, cette personne doit être née de nouveau. In John 3:3. Dans Jean 3:3. Except a man be born again. C'est seulement si un homme est né de nouveau. Except a woman be born again. C'est seulement si une femme est née de nouveau. He or she cannot enter or see the kingdom of God. Lui ou elle ne pourrait jamais entrer voir le royaume. And somebody hearing this now. Et quelqu'un en train d'écouter cela maintenant. Is happy there. Il est content. Oh, glory be to God, I am born again. Gloire à Dieu, je suis né de nouveau. I've confessed Jesus Christ as my Lord and personal Savior. J'ai confessé Jésus-Christ mon sauveur. Oh, it may interest you to know. Mais ça vous intéresserait de savoir que so many souls that did what you are happy about now. Plusieurs âmes qui ont fait ce que vous êtes content. They died and find themselves in hell.
ils sont morts, ils se sont retrouvés en enfer. They once confessed the Lord as their Lord and personal Savior. Ils ont confessé le Seigneur Dieu, le Seigneur personnel. And they were happy that their soul is not set for heaven. Ils étaient contents que leur âme est déjà. In all their, with all their iniquity. Avec toutes leurs iniquités. With all their filthiness. Avec toutes leurs choses mauvaises. Because they have confessed him in 1922. Parce qu'ils ont confessé cela en 1922. They believe their soul was saved already. Ils croyaient que leur âme avait été sauvée. The Lord is not interested in those who just confess him as Lord and personal Savior. Celui n'est pas intéressé simplement à ceux qui confessent. He's interested in those that live according to his word. Il est intéressé à ceux qui vivent, travaillent en fonction de. That live a holy life. Qui vivent une vie sainte. That live a righteous life. Qui vivent une vie juste. That know the difference between godliness and worldliness. Qui connaît la vérité entre la sainteté. And decided to live a godly life. Ils ont décidé de vivre une vie sainte. Brethren, frère, many are eagerly waiting to see the Lord. Plusieurs également attendent la venue du Christ. Many on this mountain right now are eagerly waiting for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Plusieurs montagnes attendent parfaitement la venue du Christ. The question is, what sort of garment are you waiting with? La question est quel genre de vêtement que tu holy or filthy garment? Un vêtement saint ou un vêtement sale? The Bible says in Ephesians chapter number 5. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5. Verse 26 to 27. Verset 26 à 27. It says that he may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Exactly what he's doing right now. Exactly what he's doing right exactement now. Ce qu'il est en train de faire maintenant. That he may purge our souls. Qui puisse nous purger. Purge our garments. Qui puisse purger nos vêtements. By the word you are hearing right now. Avec la parole que vous êtes en train d'écouter. Why is this word? Pourquoi est-ce que ce monde? Why is it so imperative that I must speak the truth? Pourquoi est-ce que c'est impératif que je dois parler la vérité? That you may be washed. Que pour que vous soyez nettoyés. You and I may be clean. Pour que vous et moi nous devenions purs. Why is cleanliness necessary? Pourquoi est-ce que la clarté est nécessaire? Verse 27 of Ephesians chapter 5. Dans le verset 27 dans Ephésiens chapitre 5. That he may present you and I to himself. That he may present you to himself a glorious church. Who is that church? You. Qui vous présente comme une église glorieuse? Qui est cette église? Who is that church? Me. Qui est cette église? C'est moi. No matter how great and big the building is that we are serving God in. Peu importe la grandeur de l'édifice que nous servons. That building go nowhere. Cet édifice n'est pas. Let it be a very high edifice. It go nowhere. Ça n'ira nulle part, cet édifice. You and I are the only one that have somewhere going to. Nous sommes les seuls à savoir où nous allons. And say that he may present me and you to himself. Et pour que vous présentez vous et moi à lui. A glorious church. Une is this what you are expecting on that day? Est-ce que c'est ce que vous espérez ce jour-là? To be presented to God as a glorious church? D'être présenté à l'église. If this is what you are expecting? Si c'est ça que vous espérez? You must live a glorious life now. Vous devez vivre une vie glorieuse. If you want to be honored on that day? Si vous voulez être honoré ce jour-là? Live a honorable life now. Vous devez vivre une vie honorable maintenant. What is that honorable life? Quelle est cette vie honorable? A life lived in holiness. Une vie qui va vous amener. To not having spots, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. This is the qualification of seeing the Lord in glory on that day. Ça, c'est la qualification pour voir le Seigneur ce jour-là. In the tongue, no spot. Dans la langue, pas de tache. In your hands, no spot of sin. Dans vos mains, pas de péché, pas de saleté. From your head down to your toe must be pure, clean and holy. À partir de la tête ou des orteils doit être pur et clair. Remember what the Bible says in the book of Hebrews chapter 12, verse 14. Rappelez-vous dans Hébreux chapitre 12, follow ce que la Bible a dit. Follow peace with all men. Fais la paix avec tous les hommes. And holiness. Et dans la sainteté. Follow peace with all men. Without holiness, you are wasting time. Suivez la paix avec les hommes sans la sainteté. Everything you do without holiness is a waste of time. Tout ce que vous faites sans la sainteté, c'est un perdant. Without wish. Avec ce souhait. No man can see the Lord. Avec ce souhait, vous ne pouvez pas.
With that holiness, sans cette sainteté, the gate of heaven is perpetually locked against anyone. La barrière sera fermée. So I want you to do yourself a favor. Je veux que vous faites une faveur. And search your garment again. Et vous essayez de vérifier votre vêtement. Is there no spot in that garment? Est-ce qu'il y a des taches dans votre vêtement? Search yourself again. Examinez vous-même. Is there no wrinkle in your life? Est-ce qu'il n'y a pas de taches dans votre vie? Search yourself again. Examinez vous-même. Is there no blemish in your life? Est-ce qu'il n'y a pas de blâme dans votre vie? And yet you are expecting a holy God saint, to take you into a holy home, de vous amener dans un unholy state, et dans un état, impur. It is impossible. C'est impossible for you and I to be welcome to heaven on that day. Vous et moi d'être la bienvenue ce jour-là. We must welcome holiness now. Nous devons souhaiter, nous devons embrasser. With that which no one can see the Lord. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. But I want you and I to understand something. Vous et moi, vous sachiez une chose. That God is not interested in whatever anyone does in futileness. Que Dieu pas intéressé dans ce que vous faites. You could give all your money to the poor. Vous donnez tout votre argent aux pauvres. You have an orphanage home. Vous pouvez avoir une orphelinat, une maison d'orphelinat. Build a church for the Lord. Construire une église pour l'église. Sweep the house every day. Balayer la maison tous les jours. Preach the gospel every day. Prêcher l'évangile tous les jours. Release album and give it to the church. Relâchez, ouvrez les. Go from UK and come and sing in Ireland. Quittez l'Angleterre, venez chanter en Do Irlande. Whatever you are doing. Faites tout ce que vous êtes en train de faire. If it is not done in holiness and righteousness. Si ce n'est pas fait dans la justice et dans la sainteté. If it is done with futileness in you. Si c'est fait impurement. It is a waste of time. C'est une perte de temps. It is a waste of resources. C'est une perte de temps. C'est les ressources gâchées. It's a waste. C'est un perte de temps. So therefore, en d'autres termes, you want to see the Lord on that day. Si vous voulez voir le Seigneur ce jour, make sure everything you and I are doing for Him must be done in holiness and in purity. Faites en sorte que tout ce que nous faisons à vous et moi, the Bible told me and you. La Bible dit à vous et moi. The Bible says. La Bible dit. In 1 Timothy 1:5. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Now the end of the commandment is charity. Very good, you are doing charitable work. C'est bien comme vous faites le truc charitable. You have a very good heart. Vous avez un bon cœur. You give to the poor. Vous donnez aux pauvres. Yeah, the end of the commandment is what you are doing. Mais la fin du commandement, c'est ce que vous faites. But how are you doing it? Comment est-ce que vous le faites donc? Now the end of the commandment is charity out of a pure heart. Maintenant la fin du commandement est la charité et la fin avec un cœur pur. You do it outside pure heart, you are wasting time. Si vous le faites hors d'un cœur pur, c'est un perte de temps. The end of it all of the gospel of this end time, whatever we are doing outside holiness is a waste of time. Tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la pureté, c'est un perte de temps. With a pure heart, avec un cœur pur, and of a good conscience, et avec une bonne conscience. Check your conscience. Examinez votre conscience. As I preach right now, how is my conscience? Comme je prêche maintenant, quelle est ma conscience? As you are singing, how is your conscience? Comme vous chantez, quelle est votre conscience? Are you keeping malice with somebody and yet you are preaching? Est-ce que vous avez la colère avec quelqu'un dont vous prêchez? Are you having hatred in your heart yet you are singing? Est-ce que vous avez la colère avec quelqu'un dont vous prêchez? You better stop preaching, stop singing, stop dancing. Enjoy your life. Vous devez arrêter de prêcher, de chanter. Do you know why? Vous savez pourquoi? At the end of your life, à la fin de votre vie, all that you did in iniquity, tout ce que vous faites dans l'iniquité, will torment you in hell. Ça va vous tourmenter en enfer. When you remember how you were preaching, vous vous rappelez comment vous étiez en train de travailler. Remember how you were laboring, vous rappelez comment vous étiez en train de travailler. In hell, dans l'enfer. All those times you labor will become torment to you. Tout ce que vous avez fait deviendra un tourment. Let us do ourselves good now. Donc faisons du bien en nous maintenant. Our conscience. Examinons notre conscience. Is there spot in our conscience? Est-ce qu'il y a une tache dans notre conscience? Am I holding on to somebody in my heart? Est-ce que je garde quelqu'un dans mon cœur? Am I hating somebody in my heart? Est-ce que je hais quelqu'un? And yet I'm preaching. Et maintenant je suis en train de prêcher. I better stop preaching now. Je dois arrêter de prêcher. Make amend. Essayer de faire la paix. Get to the pulpit. Revenir encore dans. And start preaching again. Et en train de prêcher. Are you hating somebody? Est-ce que vous hating? Are you living the same? Est-ce que vous vivez dans le péché? You better do something about it now. Quelque chose pour ça. Amend your ways. Are you here to pay tithe or offering? Vous êtes ici pour payer les dîmes. You better drop it now.
il faut laisser go ça and amend your ways. Il faut aller regarder votre chemin. So that si bien que you will not do all those things again. Vous n'êtes pas si bien que tout ce que vous avez fait. Whatever we are doing, but we don't have, have a pure heart. Tout ce que nous faisons devrait être là, avec un cœur pur, good conscience, avec une bonne conscience, and faith unfeigned. Et dans cette âme, not dangling up and down. N'est pas tergiversé ça. You are chameleon in nature. Vous êtes caméléon dans la nature. You are neither here nor there. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas là. In the morning you are of the Lord. Le matin vous avez le Seigneur. Before, after you are of the first prophet. Mais avant la première. No matter what you prophète. Think you are doing. Peu importe ce que vous pensez que vous faites. You are wasting time. Vous perdez votre temps. The Bible says, Bible dit, in 1 Peter chapter 1, verse 22, 1 Pierre chapitre 1, verset 22, see, you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. You are loving. Vous aimez. Don't love in hypocrisy. If you say you love me, vous dites vous m'aimez? Let the Lord see your heart that you actually love me. Que le Seigneur voit votre cœur que vous m'aimez. Don't love me because you want to get something from me. Ne pas aimer parce que vous voulez gagner quelque chose de moi. Unfeigned love. Un amour introuvé. Love without stain. Un amour sans tache. If we must embrace each other. Si on doit s'embrasser. Embrace each other with pure heart. S'embrasser avec un cœur pur. If you embrace me. Si vous m'embrassez. Laugh with me. Oui, avec moi. Hating me in your heart. Et mais vous maïssez dans votre cœur. You only do yourself evil. Donc vous faites du mal à vous-même. It's better just show me you hate me. C'est mieux de me montrer que vous maïssez. And God will be happy about that. Et Dieu serait fier pour ça. Because he said if you are near that cold of heart. Parce qu'il sait, il dit que si vous n'êtes ni froid ni chaud. I will spit you out. Je vais vous épargner. Just let God know who you are. Il faut seulement savoir, faites savoir Dieu qui vous êtes. Don't try to stand on the fence. Don't try to stand at the fence. N'essayez pas de vous mettre sur la barrière. How are you expecting the Lord? Comment est-ce que vous espérez le Seigneur? In holiness. Dans la sainteté. Or in iniquity. Or dans l'iniquité. Search your heart again. Examinez votre cœur une fois de plus. How is your heart about the things of the Lord? Comment est votre cœur concernant les choses du Seigneur? But then David understood something. Frère David a compris quelque chose. It came in the life of brother David. Le moment est venu dans la vie de frère David. King David in the Bible. Je parle de roi David. He's a good singer. Il a dit, il était un bon chanteur. The Bible says David praised the Lord several times a day. La Bible dit qu'il louait Dieu presque cinq fois par jour. And one day, un jour, this young man was about to praise the Lord. Cet homme était pris le temps en voie de louer le Seigneur. He found out that something was wrong with him. Il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. He knew. Il savait que praising God with a dirty heart, que louer Dieu avec un cœur sale, is a sin unto God. C'est un péché devant Dieu. Raising those hands unto God. Lever ses mains devant Dieu. Filthy hands. Ses mains sales. Is a sin unto God. C'est un péché devant le Seigneur. Praising God. Louer Dieu. Serving God. Servir Dieu. With a defiled spirit. Avec un esprit totalement différent. Is a sin unto God. C'est un péché. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He humbled himself. Il s'est humilié. And cried out. Il a pleuré. And this is what the men of God today God do again. C'est ça que certains hommes de Dieu ne le font this pas. This is what most men of God, most choristers don't do again. C'est que certains choristes ne le font even pas. Even if we know we have hatred in our heart. Même si nous savons que nous avons le we don't have fear. Nous n'avons pas we peur. We climb pulpit and start preaching. On monte sur l'autel et fait. Forgetting death can come at any time. Oublions que la mort peut venir. Forgetting the rapture can take us at any time. You see a sister singing and leading praise and worship. Vous voyez une sœur qui chanter. Having hatred and malice in the heart. Mais à la colère, la you see people doing the work of God. Vous voyez certains font le travail with sin in their lives. Avec le péché dans leur they vie. Don't care. Ils s'en foutent. They don't go into a secret place. Ils ne plus ont dans and cry to God. Ils peuvent pleurer. The Bible says, and David said in Psalm 51 verse 10. David dit dans Psalm chapitre 5. When he saw that God will not accept his praise and worship. Lorsqu'il a vu que Dieu ne va pas accepter sa prière. When he saw that God will not accept his preaching. Lorsqu'il a vu que Dieu ne pouvait pas accepter sa prière. He cried to God. Il a pleuré au Seigneur. Create in me a clean heart. Il a dit, crée en moi un cœur pur. Create in me a clean heart.
crée en moi un cœur pur. For the heart I used to kill Uriah is not a clean heart. Parce que le Seigneur, le cœur que je suis souvent. The heart that saw Bathsheba and fall and fell for her is not a clean heart. Parce que le cœur que j'ai utilisé pour voir celle-là, ce n'est pas un cœur. The heart that could divest evil imagination is not a clean heart. Le cœur qui peut diviser l'imagination. So Father, I know if I preach your word with this kind of heart. Père, si je prêche avec ce cœur, my preaching is vain. Ma prédication sera vaine. So the young man let the pulpit. Dans le jeune homme a laissé le terrain. He left where he was singing and praising God. Il a laissé où il était and went into a solitary place. Il est entré dans un endroit secret. I said, Father, create in me a clean heart. Il a dit que Père, crée en moi un cœur. Oh God, oh Seigneur, and renew a right spirit within me. Et renouvelle en moi un esprit nouveau. The spirit I have now cannot praise you. L'esprit que j'ai ne peut pas te louer. This is a wrong spirit. Ça c'est un esprit faux. The spirit that divides evil in imagination. C'est un esprit qui divise les imaginations. I cannot praise you. Even if I do, même si je le fais, you are too holy to accept it. Tu es trop saint pour l'accepter. With the kind of spirit I'm having right now, le genre d'esprit que j'ai maintenant, cannot preach about you. Je ne peux pas prêcher. If I do, si je le fais, I'm preaching in vain. Et je prêche en vain. I'm only a signboard. Je suis simplement une leading pancarte. People to heaven. Une pancarte qui I'm going to hell. So what do I do? Qu'est-ce que je dois faire? Create in me, oh God. Crée en moi, oh Seigneur. Clean heart. How many of us here? Combien d'entre nous? How many choristers here? Combien de choristes? We want to lead worship. Combien de choristes? Remember, you have evil thoughts with somebody. Rappelez-vous que vous avez paroles massives. How many pastors on this mountain? Combien de pasteurs sur cette montagne? We want to preach the gospel. Vouloir prêcher les remembering. And somebody you are keeping marriage with. Qu'il y a quelqu'un que vous gardez marriage. Drop the Bible. Laissez la Bible. And go and pray to God. Allez, that work Dieu. I can't do it. Ce travail, je peux pas le I faire. Don't want to be doing it. I'm wrapped on table. I'll be left behind. Je peux pas le faire passer, je what a shame will it be? Quelle honte. So therefore, hôtel, let me make amends. First of all, que je fais un amendement premier. Pick my phone. Prends mon téléphone. I call that person. Appelez cette personne. My sister, I'm sorry. Ma sœur, je suis désolé. My brother, I'm sorry. Mon frère, je suis désolé. The Bible says, la Bible dit, I should follow peace with all men. Je dois suivre la part and holiness. Et dans la sainteté. With that wish, avec ce my preaching is nonsense. Ma prédication serait sans. With that wish, avec cela, your singing is nonsense. Votre check your heart right now. Sans importance. Look at your heart right now. Regardez votre cœur. You are sitting down there. Vous êtes assis en ce moment. Listen to the word of God. Écoutez la parole. All the word that's coming right now. Toutes les paroles. Are they not in vain? Est-ce que c'est en vain? With all your dirty heart. Avec votre cœur sale. You are expecting the Lord. Vous espérez le Seigneur. No. You are expecting the Antichrist. Vous espérez your que father, le the devil is coming. Votre père, le diable, unless you repent of that sin, you are expecting your father, the devil. Vous espérez the votre Bible père, says le in John chapter 8, verse 44, thereabouts, you are of your father, the devil. Vous êtes de votre what, père, makes, le diable. What makes the devil your father? Qu'est-ce qui rend le diable votre père? Because of his property in your life. À cause de ses biens dans votre vie. Because of the property of the devil in your life. À cause de ces biens. I don't know what you are doing for the Lord. Je ne sais pas ce que vous faites pour le Seigneur. Set yourself. Examinez-vous. How are you doing it? Comment est-ce que vous le faites? We sing. Avec un péché. You are doing for your father the devil. Vous le faites pour votre père le diable. Thank God by 5 p.m. By 5 p.m. Merci aujourd'hui à partir de 7 heures. We'll be launching the album of this ministry. Nous allons se let everybody that will be involved in that album launch. Que tous ceux qui seront qui vont participer à cet album. The Lord used to release the album. À partir de la sœur Sosa qui a que Dieu a utilisé pour everyone supporting her. Pour ceux qui l'ont donné. They must make sure they are at peace with everyone. Faites en sorte que vous soyez en paix. Must make sure that their heart is pure before the Lord. Faites en sorte que votre cœur soit pur. You know why? If they refuse to do so, s'ils refusent de le faire, the album is being launched to the people. Et comme l'album, their soul will be launched to her the same time. Leur âme serait. They better know that now. Ils doivent le savoir. They must not launch that album to God in sin. They must make sure they are pure and holy before the Lord. And be the first album that we are launching on this mountain. Et être le premier album que nous ouvrons it must be launched in holiness and in righteousness. Ça doit être publié dans la justice. Really, and ask yourself again.
I ask myself again. Je me pose la question. Ask yourself this question. Posez-vous la question de savoir. Are you expecting God in sin? Est-ce que vous espérez Dieu dans le péché? Are you expecting God in a dirty garment? Est-ce que vous espérez Dieu dans un vêtement sale? It may interest you to know. Ça vous intéresserait de savoir. You are not expecting God. Vous n'espérez pas Dieu. You are expecting the Antichrist. Vous espérez plutôt l'Antichrist. Christ is there too. Le Christ est dedans. Antichrist and Christ. Le contre Christ. One is coming to deal with you. Il y a un qui vient. One is coming to take you home. Il y a quelqu'un, un qui vient vous amener et l'autre qui vient vous prendre sur le roue. The one you live for now. Celui avec qui vous vivez en ce moment. Will come for you. Viendra pour vous. The Bible says in the book of Matthew chapter 5 verse 8. Dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Blessed are the pure in heart. Bénis les cœurs purs. Blessed are the pure in heart. Bénis ceux qui ont le cœur pur. I paraphrase, for them, they alone shall see the Lord. Entre parenthèses, ceux-là verront Seigneur Dieu. These cursed are the dirty in heart. Ça veut dire que maudits soient ceux qui ont le cœur sale. They are expecting the Lord. Malgré qu'ils espèrent le Seigneur, they shall not see him. Ils ne verront pas. Many thought they will see him. Certains pensent qu'ils le verront. While they were alive. Parce qu'ils étaient vivants. You know why this message is very important? Vous savez pourquoi ce message est plus important? Because in a few years from now. Parce que d'ici quelques années, many of us will experience what others have experienced. Plusieurs hommes de Dieu verront ce que certains sont en train de vivre en ce moment. Apostle Paul once preached the way I'm preaching right now. Apôtre Paul a prêché une fois comme je le fais. A day came, he slept and never woke up again. Un jour venu, il a dormi, il ne s'est jamais réveillé. I'm preaching right now. Je prêche en ce moment. There's no way if Christ said that I will see the next century. It's not possible. Il n'y a aucun moyen que je pourrais voir les années. No matter how long I live now, un siècle pour venir. I don't think I will still live up to maybe 60, 70 years on this earth again. Comme j'en sais, je ne sais pas si je verrai, je vivrai jusqu'à 60. How many years is 50 years from now? Combien d'années? 50 ans, c'est d'ici peu. So therefore, donc en quelque sorte, you will experience eternity very soon. Vous allez voir l'éternité d'ici peu. And if it's only when you have pure heart, c'est si et seulement si vous avez un cœur pur, you shall see the Lord. Vous verrez le Seigneur. Your heart is defiled. Si votre cœur est impur, no matter what you are doing, peu importe ce que vous faites. If you like be in all the departments in this ministry, vous pouvez être dans tous les départements dans ce ministère, without hatred in your heart. Sans cette haine dans votre cœur, sin in your life, sans ce péché dans votre regardless vie, of the sin, oubliez même ce péché, lead to a big, peu importe la petite ou la grande du péché, you will not see heaven. Vous ne verrez pas le paradis. Praise Master Jesus Christ. Alléluia. Brethren, I want you to understand. Je veux que vous demandez nous comprenions que all things that are happening is to fast forward. Now, let me say something. Do you see what is happening right now? Bon, dites-moi, vous voyez ce qui se passe maintenant dans ce moment? The man of God said it in the morning. L'homme de Dieu a dit ce matin. All these vaccines and all these things that are happening. Tous ces vaccins, tout ce qui se passe maintenant. Is to fast forward the judgment of this world. Ça, c'est pour vous faire voir le jugement. This world is about to receive the harsh judgment of God. Ce monde est prêt pour recevoir la vindique. It's a pity that some people, even right now, if you don't repent, you will be among those that will face the wrath of God. C'est une pitié, s'il vous plaît, pour ceux qui vont passer. Where this earth will vomit the blood they drank. Lorsqu'il va vomir. When the river will be foaming and vomiting the blood of every soul that they swallowed. Lorsque les rivières vomiront tous les âmes qu'ils ont avalées. You will also be vomiting all the sin you have ever committed with them. Vous allez également vomir tous les péchés que vous avez commis. So why don't you make yourself available now to make heaven? Donc pourquoi ne pas vous rendre disponible pour le paradis? The Lord is patiently waiting for the iniquity of this earth to be full. Le Seigneur attend patiemment les iniquités de cette earth pour que ça se. As it is written in Genesis chapter 15 and 6. C'est comme c'est écrit dans Genèse chapitre 15. But in the fourth generation, but in the fourth generation, they shall come hither again. For the iniquity of the Amorite is not yet full. The iniquity of the Amorite was not yet full. Les iniquités des Amorites n'étaient pas pleines. So the Amorites were free to do whatever they wished to do. Donc les Amorites étaient libres à faire tout ce qu'ils they voulaient. They never knew that God put cup in their hands. Ils n'ont pas su que Dieu avait mis. There was cup in their hands. Un gobelet sur les mains.
Their sin was filling it. Donc le péché était en train de remplir. Some people on this mountain. Certains sur cette montagne. Your sin is already here now. Vos péchés sont déjà là. It's about to be full. Ça veut dire rempli. If you can do yourself good now. Si vous faites du bien. And confess that sin. Et confessez ce péché. The blood of Christ will remove it again. Le sang de Dieu va enlever tout. You know what? Ça veut pourquoi? The sin of this world cannot be purged anymore. Le péché des anciens mondes ne peut jamais être purgé. I say it again. Encore, the sin of this world cannot be purged anymore. Le péché qui se trouve dans ce monde, the world must be judged. Le monde and the cup of this world is about to be full. Et la coupe de ce monde est prête. And that's why you see all this is happening. C'est ça qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment. So that the sin of this world will be full. Because le péché du and monde. And the Lord will judge the world. Et le Seigneur va juger le monde. It might interest you know. Ça vous intéresserait de savoir. In the history of man. Dans l'histoire de l'homme, there's no more Amorites. Il n'y a plus des Amorites. Their iniquity was full. L'iniquité était déjà plein. He judged them. Il les a jugés. And wiped them away. Il les a nettoyés. The iniquity of this earth. L'iniquité de cette terre. Is about to be full. Ça ne se peut pas. C'est une pitié. C'est une pitié. To be full when some of you here that don't care to listen to the word of God. Ça c'est plein. Et parce que certains de vous ne veulent pas écouter la parole. We be in it. Ils sont pas à l'intérieur. The Bible says. La Bible dit. If 2 Peter, dans 2 Pierre, chapter 3, chapitre 3, 10 to 14, 10 à 14, I want you to listen carefully. Vous écoutez, to know what is about to happen to this world. Et savoir ce qui va se passer. When the iniquity is full, lorsque l'iniquité est pleine, the Lord is not slack. I start from verse 9. The Lord is not slack concerning His promises. His promise, as some men count slackness, but is long suffering to us world. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The Lord is not willing for me and you to perish. That is why He's preaching such messages every now and then to me and you. C'est pour ça qu'il prêche ce message à vous et moi ce jour. Verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. And the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. This is judgment. Ça, c'est le jugement. All those things you are running after now. Tout ce que vous courez après. You want to have houses everywhere. Vous voulez avoir les maisons un peu partout. You leave your store and you are dressing everything around you. Vous laissez votre âme et vous vous habillez. The Bible says, when the Lord shall judge this world, la Bible dit que lorsque le Seigneur jugera ce monde, everything shall be bought up. Tous qui est ici, including you, if you refuse to repent of that sin today. Vous serez inclus si vous refusez de vous repentir de ce péché. Just say, with fervent heat. Avec une chaleur intense. Shall they be bought up? Avec une chaleur intense. So what do we do? Qu'est-ce que nous devons faire donc? Verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, seeing that all those things you are laboring for shall be dissolved, voir que tout ce que vous luttez pour va être seeing that the house that is shaking you now, la maison que vous the car is shaking you now, les maisons the company that is shaking you now, l'entreprise que vous whatever you possess that is shaking you now, tout ce que vous avez, seeing that they shall be burnt up, ça va disparaître. They shall be dissolved. Ça doit être dissous. What manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness? Quelle genre de personne vous aimez être? All these things shall be gone away. Tout ceci que vous avez disparaîtra. With fervent heat. Avec une chaleur intense. Knowing that all these things you are laboring for their event. Chassant que tout ce que vous faites sera en vain. Why don't you settle down yourself now? Pourquoi ne pas vous concentrer maintenant? And begin to live a holy and righteous life. Et vivre maintenant une vie sainte. And begin to prepare your soul for eternity in heaven. Et commencer à préparer votre âme pour l'éternité. Verse 12. Au paradis. Looking for and hasting unto the coming of the day of God. Wherein the heaven being on fire, hey my God, shall be dissolved, and the element shall melt with fervent heat. 13. Nevertheless, we are you among these. We, according to his promise, look for new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness. 14. Wherefore, brother, therefore, sister, see that ye look for something, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot,
and blameless. What are you expecting to see the Lord on that day? Est-ce que vous espérez voir le Seigneur le dernier jour? Are you saying, Lord, may I not be a part of those that we've brought there with this earth? Seigneur, que je ne sois pas partie de ceux qui vont se brûler avec ce terre. You must be diligent in everything you are doing. Vous devez être diligent et prudent dans tout ce que vous faites. To be found in peace with Him. De faire la paix avec lui. Without spots, sans tache. Without blemish, sans blâme. You must be blameless in all your conduct. On doit pas de blâme dans tout ce que I dans must be conduit. Blameless in all my conduct. Je dois être sans blâme dans ma conduite. No matter who you are. Peu importe qui vous êtes. No matter who I am. Peu importe qui je suis. The gospel will never ever be lowered for anybody. L'évangile serait jamais rabaissé. The judgment of God will never ever be lowered for anybody. Le jugement de Dieu ne serait jamais rabaissé par n'importe qui. Without holiness is without holiness. Sans la sainteté, c'est sans sainteté. If Judas Iscariot did not enter heaven, we see. Si Judas Iscariot n'était pas entré en enfer. And today is hell. Avec le you that is also a Satan incarnate. Vous qui êtes justement Satan. You that have a stony heart. Vous qui avez un cœur de pierre. As we heard in the morning, say, go and do it fast. Judas Iscariot, go and do it fast. Judas Iscariot, va le faire rapidement. Just as you are hating very fast now. Comme vous le comprenez en ce moment. You are keeping malice very fast now. Vous gardez la malice rapidement. You are stabbing people very fast now. Vous poignardez les gens. You are gossiping very fast now. Vous faites du commérage rapidement. Lusting after women that are not your husband or lusting after wives that are not your wife. Regardez les femmes qui ne sont pas les vôtres. Regardez les hommes qui ne sont pas vos amis. Do it very fast. Faites-le rapidement. But let me, for conscience sake. Mais que je vous dise pas ma conscience. For love's sake. À cause de l'amour. Can you stop those things now? Est-ce que vous pouvez arrêter tout cela maintenant? You know why? Vous savez pourquoi? It's going to be terrible. Ça doit être terrible. What you will experience. Ce que vous allez voir. If you don't repent. Si vous ne vous repentez pas. My sister. Ma soeur. My brother. Mon frère. Are you among those believers? Est-ce que vous êtes parmi les croyants? Who don't care about the crop in the keep? Qui s'en fout d'accompagner? You don't want to be lonely. Vous ne devez pas voler pour vous ne pas être seul. You want to belong. Vous voulez appartenir. Ah, how can I want to be like them. Je veux être comme eux. You don't care. Vous vous en foutez. If you need the person, he send it to hell. Même si la personne vous envoie. Because you don't want to be lonely, you follow. Parce que vous ne voulez pas être seul, vous le suivez. You want to be in the company. Vous voulez avoir de la compagnie. Of the ungodly. La compagnie de ceux qui sont. Maybe that they will ungodly send you to hell. Sachant qu'ils vont vous envoyer en enfer. No way. You know what? Pourquoi? You will definitely find yourself to blame very soon. Vous allez définitivement vous blâmer vous-même. The Lord is doing everything. Le Seigneur fait tout. To guide you. De vous protéger. He said, my son. Il dit, mon fils. Follow down me. Suis-moi. Follow me alone. Suis-moi et moi seul. Dance alone. Danse avec you moi seul. You no. Vous dites non. I need company. J'ai besoin d'une compagnie. How can I be lonely? Comment est-ce que je dois être seul? And you are falling up and down. Et vous tombez. You know cas-là. This sister is a gossiper. Tu sais que la sœur, c'est une sister she's not ready to repent. Vous savez que la sœur, ce n'est pas pressée à repentir. But you have to follow her. Mais vous devez la suivre. This brother is sending to hell. Ce frère t'envoie en enfer. And you know. Et tu sais. If you don't follow. Qu'est-ce que tu le suis pas? You're gang up against you. Bon so for you not to be gang against. Donc pour qu'on you have to blame. You blame yourself into hell. Vous devez accepter. Donc vous allez vous I don't want other pastors out there to say this man is so proud. Je veux pas que les certains pastors disent que ce so I have to blame with them. Je dois m'attacher à eux. You blame yourself into hell. Ça veut dire que vous vous attachez également en enfer. Is it not better you are lonely? Ce n'est pas mieux d'être seul. It's not better you are alone. Ce n'est pas mieux d'être seul. Live for your God. Vivez pour votre Seigneur. And make heaven. Et faire le paradis. That you are fooling yourself up and down. Que de vous tromper vous-même passer par you là. You want people to celebrate you. Vous voulez que les gens vous célèbrent. I pity you. J'ai pitié de but vous. But for conscience sake. Mais pour the love of God's sake. Grâce à l'amour. See what God is saying here. Regardez ce que Dieu dit. 2 Corinthians chapter 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 14, 6. 14 to 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unbelievers is not only those people who are not born again. Les non-croyants, c'est pas ceux qui sont pendés de nouveau. If you don't want to live a holy life, you are not a believer to me. Si vous voulez pas vivre une vie sainte, vous ne serez pas. So long you don't believe
what I believe. Longtemps qu'on ne croit pas ce que je pense. Apostolement, I believe that the only thing that can take me to heaven is holiness. Apostolement, je crois que ce qui va m'envoyer en enfer. Since you are not ready to live that kind of life, si vous n'êtes pas prêt de vivre ce genre de vie, you are an unbeliever to me. Vous êtes un non-croyant. And God is saying, et Dieu dit, I shouldn't hate you, je ne dois pas vous haïr, but I must not be yoked with you. Mais je ne dois pas être, I should look you from a distance. Je dois vous regarder à distance. It doesn't matter how popular you are. Peu importe votre popularité. It doesn't matter how rich you are. Peu importe votre richesse. I must not allow your richness to send me to hell. Je ne dois pas accepter que votre richesse m'envoie en enfer. I better mind my business. Il faut que je me concentre sur ce qui me concerne. If nobody wants to talk to me, si personne ne veut me parler, I look for a preaching on Facebook. On YouTube, je cherche mes posts sur YouTube, à Facebook. I preach before. J'ai prêché avant. I listen to it. J'écoute là, mais ma prédication avant. Et j'écoute et puis je dors. That to yoke myself. Que de those who are the same to her. Que de m'engouffrer ma tâche. And the Bible says, what fellowship has righteousness with unrighteousness? And what communion with light and with darkness? You are a holy sister, a holy brother. Vous êtes une frère ou une sainte. But you are gallivanting with people who don't care about holiness. Mais vous montez les cendres à ceux qui s'en foutent de la sainteté. There are holiness believers, so to say. Il y a certains croyants. They don't care about heaven. Qui s'en foutent du paradis. They only care about what they want to be celebrated. Ils veulent qu'on les célèbre. They want to be loved. Ils veulent être aimés. They want to be known. Ils veulent être connus. There are so many holiness preachers. Il y a certains prédicateurs. They don't care about holiness. Ils s'en foutent de la sainteté. They only care about the money. Leur problème, c'est l'argent. They only care about the fame. L'intelligence, c'est être reconnu, reconnu. And such holiness preachers, ce genre de prédicateurs, they can join holiness and unholiness. Ils peuvent joindre la sainteté. They can manage ceux qui sont non saints. They can manage sin. Ils peuvent manier le péché. They can beg people to stay. Ils peuvent prier les gens pour rester. Because why? Parce que vous savez pourquoi? What they are looking for is not what God called them for. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas ce qu'ils ont été appelés pour. So such preachers. Donc ce genre de prédicateurs. Such brothers and sisters. Ce genre de frères ou de sœurs. The Bible should be avoided. La Bible dit, vous devez. So that they don't use their own. Pour qu'ils n'utilisent pas. To destroy your own. Ce qu'ils n'utilisent pas, c'est qu'ils ont pour vous. We can hold hands right now. On peut s'arrêter les mains. But if Christ, God coming and falling away. Mais si Dieu m'appelle, if I die right now. Si je meurs. I'm separated from him. Il serait séparé de vous. My love for you has just ended now. Son amour pour moi est fini. Whatever we are doing together, peu importe ce que nous faisons ensemble, has just ended. Est fini. You know what we do? Savez-vous ce qu'il va faire? After burial, après m'avoir enterré, he return. Il va se tourner. Look for another person to love again. Il va chercher une autre personne. So why should I kill myself for him? Donc pourquoi est-ce que je vais me tuer? Why should I do everything? Pourquoi est-ce que je vais faire tout? To hold on to him. Je fais tout pour l'arrêter. When I know, lorsque je sais, holding on to him, que l'arrêter, I'm holding on to him. J'arrête exactement l'enfer. God forbid. Que Dieu vous pardonne. It's illustration. C'est une illustration. God bless you, Jesus name. Que Dieu vous bénisse, notre Seigneur Jésus. So what concord? Donc, c'est qu'est-ce qui va concorder cela? What union? Quelle union? Have righteousness. Quelle union? With unrighteousness. Quelle union? Quelle est l'union entre la justice et la injustice? I jump to verse 17. Je saute au verset 17. The Bible says, "Wherefore come out from among them." Are you waiting for the Lord in holiness? Est-ce que vous attendez le Seigneur dans la sainteté? Please don't follow people who are waiting for him in holiness. Ne pas suivre les gens qui l'attendent. Is somebody hearing me? Dans le péché. Est-ce que vous m'écoutez? Are you waiting for the Lord in righteousness? Attendez-vous le Seigneur dans la justice? Emmanuel, don't wait for him with people who are waiting for him in unrighteousness. Emmanuel n'attend pas les gens qui l'attendent dans l'injustice. Come out from among them. Sors parmi eux. And be ye separate. Et sois séparé. Say the Lord. A dit le Seigneur. So don't say I'm doing the wrong thing. Je n'ai pas dit que j'ai fait le mauvais. If I decide to separate myself from you. J'ai fait la mauvaise. J'ai fait une because mauvaise you are not ready for heaven. Parce qu'on n'est pas prêt pour le paradis. Ne dis pas qu'à cause de l'autre, c'est ce qui est bon. If you find that another sister does not follow you again, si vous voyez que ces soeurs ne vous suivent pas, because you are not ready to change, parce que vous n'êtes pas prêt de changer, because you are so filthy, parce que vous êtes tellement bizarre. When you say five words, the sixth one or the fourth one is gossiping. Vous dites un quatre cents, c'est la sixième chose. And she decided to leave you alone. Elle a décidé de vous laisser.
If you are hating her, si vous le, là, you are adding sin to sin. Vous augmentez le péché sur le if péché. You are hating that brother, that sister, si vous haïssez ce because frère, he decided to obey or he decided to obey the word of God. Il a décidé d'obéir la parole. Be ye separate. Soyez séparés. And touch not unclean things. Et ne pas toucher ce qui est sale. Do you know why? Vous savez pourquoi? She should not touch you again. Elle ne doit pas vous toucher. Do you know why? Vous savez pourquoi? She should not follow you again. Elle ne doit pas vous suivre. That is the only way the Lord will receive it. C'est la seule chose, comme c'est la seule moment où le Seigneur va le recevoir. It's written here. C'est écrit. And I will receive you. Et je vais te recevoir. Sister. Ma soeur. Brother. Mon frère. Will you allow me to advise you now? Vous pouvez me laisser vous conseiller. I want to check everybody around you. Je veux que vous vérifiez tout ce qui sont autour de toi. Check all the sisters. Vérifiez tous les ceux qui sont check autour de toi. Check all the brothers. Tous les frères qui sont autour de toi. Is there anyone? Est-ce qu'il y a quelqu'un? That's not ready for heaven. Qui n'est pas prêt pour le paradis? Is there anyone? Est-ce qu'il y a quelqu'un who is specialized in backstabbing people? Qui est spécialisé pour poignarder les gens? Specialized in gossiping. Spécialisé dans le commérage. Specialized in hating people. Spécialisé dans le specialized les gens. Murmuring. Spécialisé dans les murmures. Specialized. Spécialisé. In complaining. Spécialisé dans les se plaindre. The Lord is saying. Le Seigneur dit. Run away from such person. Fuis ce genre de personne. Touch her not. Ne pas toucher cette personne. I'm not saying hate her. Je n'ai pas dit haïr cette personne. Run away from him or her. Éviter cette personne. That is the only way the Bible says it will accept you. Ça c'est la seule chose que tu feras que la Bible va accepter. When you succeed in doing this, Dieu dit que lorsque vous réussissez, he will be a father unto you. Il sera un père pour vous. And you shall be a son or daughter unto him. Vous serez une fille ou une fille pour elle. But right now, mais maintenant, so long you are gallivanting with unholy things, si longtemps que vous montez des sangs avec les choses, you are not a child of God. Vous n'êtes pas un fils du Très-Haut. No matter what you are doing, peu importe ce que vous faites, so long that person who is living in sin, si longtemps que cette personne vit dans le péché, not ready to repent, n'est pas prêt pour se repentir, is your companion. C'est votre compagnon. There's a word that says. Il y a une parole qui dit. Show me your friend. Montre-moi tes amis. I will tell you who you are. Et je vous dirai qui tu es. It's biblical. C'est biblique. My people. When the Lord God Almighty. Lorsque le Seigneur Dieu. Was on earth here. Était sur terre. You know what he does? Vous savez ce qu'il a fait? Anytime he want to choose any of his apostles. Or tout ce qu'il veut. Say, follow me. Tout le monde lorsque vous voulez choisir ses apostles. Call them out from where they were. Appelle-les où ils sont. Follow me. Suivez-moi. Nathan, follow me. Suis-moi. Peter, Pierre, follow me. Suis-moi. From that moment, à partir de ce they moment, are his. And if you also want to follow the Lord, et lorsque vous voulez suivre également le Seigneur, you must be ready. Vous devez être prêt to come out, de venir, from wherever, peu importe that you have what we call filthiness. Peu importe ce que vous savez, God is a holy God. Dieu est un Dieu and pur. His children must be holy children. Et ses enfants doivent être purs. Heaven is a holy place. Le paradis est un and everyone pur. There must be holy. Tous ceux qui sont là doivent être purs. Apostle Man have no choice. Apostle Man n'a pas le choix. Than to be holy. D'être saint. The same thing with you. La même chose que vous. I am not saying come and choose. Je ne vous ai pas dit. You have no choice. Vous n'avez pas le choix. Than to be holy. D'être saint. And you must follow people who are holy. Et vous devez suivre ceux qui sont saints. You know what? Vous savez pourquoi? You want to make heaven? Vous voulez faire le paradis? Choose people who fear God more than you. Choisissez ceux qui ont peur du Seigneur mieux que vous. Don't follow people that you are better than. Ne pas suivre ceux que vous êtes mieux que. Else you will think that you are made already. Sinon vous sauriez que vous êtes déjà. Let me tell you a secret. Je vous dis un secret. Apostle Paul, when he saw the Lord. Apôtre Paul, lorsqu'il a vu le Seigneur. In heaven. Au ciel. He was so happy. Il était tellement content. I am holy. Je suis saint. Before I should see this God, avant de voir it means ce Dieu, I have arrived. Parce que je suis arrivé. But when he saw Peter and the rest, mais lorsqu'il a vu Pierre les autres, and he saw how Peter and the rest are, il a vu comment Pierre les autres étaient. He went back home. Il est rentré. I said, hey, that I might know him. Il a dit, oh, que je puisse le connaître. When he saw that those people know him more than him, lorsqu'il a su que ces gens-là connaissaient Dieu, est-ce que vous me suivez? When he saw.
lorsqu'il a vu, when he was just with all those people he was converting, lorsqu'il était là, les gens avec qui il causait ses problèmes, he said, I fast more than you all. Il dit, oh, je j'aime plus I que vous. I pray more than you all. Je prie que vous. I do this more than you all. Je fais But tout when he met Peter and the rest, lorsqu'il a vu Pierre les autres, he saw that he was just starting. Il a compris qu'il était he juste went to the secret and said, Father, now I know, I don't even know you. Il a dit, Père, c'est maintenant que c'est que je te connais But pas. I may know you. Pour que je puisse te so connaître. Long you are the best in that group. Aussi longtemps que vous êtes le meilleur du groupe. Hell is gratis for you. L'enfer gratis. So long you are saying, I pray, thank God, I am better. Tu I am better. Dit, ah, je suis mieux, je suis mieux. You must have somebody you are striving to be like. Vous devez avoir quelqu'un. Quelqu'un God enjoys that you are the best there. N'est pas vous que je vous êtes le meilleur là-bas. You know why? Vous savez pourquoi? That your best cannot take to heaven. Le meilleur de vous là ne peut pas vous amener au paradis. Are they calling you champion in that group? Est-ce qu'on vous appelle champion dans ce groupe? I pity you, leave that group. J'ai pitié de voir. Laisse ce groupe. Go to where you'll be humbled. Allez, va dans un groupe où tu vas. Are they calling you mama, papa, mama in that group? Est-ce qu'on vous appelle mama ou papa? On vous donne les éloges. We will send you to hell. Ils vont vous envoyer en enfer. Maybe I will leave very soon. Je vais m'arrêter d'ici. Even our Lord Jesus Christ. Même notre Seigneur Jésus. In John, chapter 2. Dans Jean, je prends chapitre 23 là-bas. Jean chapitre 2, When he was on earth, lorsqu'il était sur terre. When he was on earth, lorsqu'il était sur terre. Jean chapitre 5. Je crois dans chapitre 2. The Bible says. La Bible a dit. They celebrated him. Ils l'ont célébré. The Bible says he did not give himself to them. Il ne s'est pas donné à eux. He refused to give himself to them. Il a refusé de se donner à eux. Why? 24. God bless you. Dieu vous bénisse. John chapter 2 verse 24. Jean chapitre 2 verset 24. I read it. He says, let me start from 23. Now, when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracle which he did. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. He knew them. He savait. Now they are praising you. Maintenant, you are the reason why we have song to sing. C'est la raison pour your head is big. The watchman is whatever. Ah, moi, je suis l'observateur. My head is getting big. Ma tête ne faisait que grossir. Hey, Apostle Manuel's wife is this. Oh, l'apôtre Manuel, c'est sous cela. My head is big. I pity you. J'ai pitié de vous. The Bible says, if God himself. La Bible dit que si Dieu lui-même give himself to them, si Dieu lui-même s'est donné à eux, you are foolishly giving yourself to them, et vous vous donnez bêtement à eux, I pity you. J'ai pitié de vous. May I advise myself again? Que je me donne un conseil à moi-même. Apostle Emmanuel, leave those who are praising you alone. Laisse ceux qui sont en train de te louer. If you better, I follow those who are condemning me. C'est mieux de suivre ceux qui me condamnent. If they are condemning me, en me condamnant, I will know how to cry to God. Je saurai comment pleurer à Dieu. The Bible says, la Bible dit, our brother King Saul, notre frère, the roi Saul, so much loved the praise of man, il a tellement aimé la louange de l'homme, that he perished in it. Donc il a péri dans everything cela. He was doing, tout ce que vous faisiez, il faisait, because of people, à cause des gens. If I preach this way now, si je prie de cette manière, that sister will be angry. Cette sœur serait en so colère. Let me pray that after service you will call me. Donc après le service, the message today was wonderful. L'apôtre Emmanuel, le service aujourd'hui était incroyable. That prophecy was my own. Et cette prophétie était pour moi. And that was my own. Cette prophétie était pour moi. But the day you preach message that will hit the heart of people. Mais le jour où vous allez prêcher ce qui va toucher le cœur des hommes. Nobody call. Personne ne va appeler. So what do I do? Qu'est-ce que je dois faire donc? I better bend my head now. Je me couvre une fois en ce moment. Say God. J'ai dit Dieu. I am not preaching for praise. Je ne veux pas prêcher pour les louanges. I am not preaching to be loved. Je ne veux pas prêcher pour être aimé. I am preaching the gospel that might see God in glory. Je prêche l'évangile pour pouvoir voir mon Dieu. I am not walking to be praised. Je ne savais pas pour être loué. I am not working to be celebrated. Je travaille pas pour être célébré. I am doing my father's work. Je fais le travail that de mon père. I might see him in glory. Je fais le travail de mon père pour le voir dans sa gloire. What about you? Et vous également. What about you? Et vous? Have God spoken to you? Est-ce que Dieu vous a parlé? How are you expecting him? Comment est-ce que vous l'espérez?
Your husband is pushing you to hell. Instead of you to tell your husband what he's doing is not right. So long money is coming. All you care about is the money. You don't care about how the business is going. I remember those days when I was in Spain. You see men. Those questions is fine. We tell their wife, hey, bring the money. What money? Money for prostitution. L'homme disait ça, apporte l'argent, l'argent de la prostitution. They will, as no other policemen that want to roadblock. Vous avez les pauvres, les policiers, vous savez. They will stretch the money. Ils vont tirer l'argent. Put it down. Mais and my wife, today you try you. Ah, mon épouse, aujourd'hui tu as chess here. Prostitution. L'argent de la prostitution. Just as some of us here. Some certain to maybe you, wherever you are. Peu importe. You don't care to know what your husband does. Vous j'ai pas savoir ce que votre mari fait. So long, he give you Nikon navigator to drive. Si longtemps qu'il vous donne le link on les codes. You care to know what your wife is doing. Vous savez pas savoir. So long, your wife is the breadwinner, give you money to eat. Si longtemps que votre femme excelle qui. Pastor, you don't care to know what the neighbors are doing. Pastor, tu t'en fous de ce que les gens. So long, they build house for you, they back up for you. Si longtemps qu'ils vous construisent les maisons, vous achetez les véhicules, vous en foutez. You know why? Savez pourquoi? You know what? Vous savez quoi? Si you don't care about them. Quand vous importez, vous n'achetez pas savoir. You don't care about your soul. Ça veut dire que vous êtes égal. Where they are going is where you will go. Là où ils ont, c'est là où vous irez. Man, I leave you with this. Je vous laisse avec ceci. But your husband, you don't care about now. Votre mari, you are not crying for God to deliver him. Vous ne plairez pas pour que Dieu puisse la délivrer. Because you enjoy the money. Parce que vous jouissez de cet argent. Where he is going to is where you go. Là où il va, c'est là où vous irez également. Those your children are doing Yahoo now. Tous vos enfants qui font le taper machine. You are happy your children are making money. Vous êtes fiers, vos enfants font de l'argent. No matter your prayer, no matter what you are doing. Peu importe votre prière, c'est que vous faites. You are going to where they are going to. Où ils iront, là vous irez aussi. Repeat, repeat, man. Vous devez vous repentir. Repeat, repeat, man. Vous devez vous repentir. What are you doing on this mountain? Qu'est-ce que vous faites sur cette montagne? Are you laboring in this ministry? Est-ce que vous êtes un travailleur sur cette montagne? If you are laboring in sin, si vous travaillez dans le péché, I announce to you today that you are laboring in vain. Je vous annonce que vous travaillez en vain. Preach, double preach a day. What will the Lord say to you? After your departure from this world, what will the Lord say to you? After you have preached Christ to the world, and you do not obey his will, oh, woe is you, you suffer all in vain. After you have evangelized Christ to the world, and you do not obey his will, sister, oh, woe is you, you suffer all in vain. Brother, let us not suffer in vain. Frère, ne souffrons pas en vain. Cry to God now. Pleurer à Dieu en ce moment. Father, from henceforth, Père, à partir de ce matin, if I be waiting for you in sin, si j'étais attendu dans le péché, have mercy upon me. Miséricorde pour moi. Guide me from henceforth. Guide-moi à partir de cet instant. I want to wait for you in holiness from now on. Je peux t'attendre dans la sainteté. Every spirit of seeking tout praise of man, tout esprit de glorification, take it away from me. Cela de moi. Every spirit of seeking who will love me, tout esprit de ceux qui vont m'aimer. What do you mean about who will love you? Qu'est-ce que tu veux parler de qui va m'aimer? After death, you don't care about who will love you hit you again. Après la mort, personne, on s'en fout de moi. That spirit in me, cet esprit en moi, making me to do things, qui fait en sorte so that people will love me. Qui fait les choses pour que les gens puissent m'aimer. Insane. Dans le péché. Father, deliver me from that spirit now. Délivre-moi avec cet esprit. I don't know about you. Je ne sais pas ce qui vous. What is that you say God deliver me from? Qu'est-ce que les choses sont là que je voulais que Dieu vous délivre? Cry to him now. Pleurez pour lui. Cry to him now.
pleurer devant Dieu. Don't wait for Christ. Don't wait for Christ in sin. Ne pas attendre le Seigneur. Sister, you will not see him. Tu vas pas le voir. Brother, you will not see him. Frère, tu ne le verras pas. Lord, make me holy. Seigneur, rends-moi saint. Lord, make me pure. Seigneur, rends-moi pur. Dear people, I must separate myself from. Y a-t-il des gens avec qui je dois me séparer? Father, no matter the pain I will go through. Seigneur, peu importe separate la douleur. Separate me. C'est pas moi. No matter the loneliness I will feel. Peu importe separate la solitude. C'est pas moi. Is there things I have to avoid? Et c'est quelque chose que je no matter pressure doses are. Peu importe les give me the grace. Donne-moi la grâce. Give me the grace, oh Lord. Choses précieuses. To leave those things alone. Donne-moi la grâce de ces choses. What is that character? Quel est ce caractère? What is that lifestyle? Quel est ce système de vie? Want to send me to hell? Qui veut m'envoyer en enfer? Lord, I beg you. Seigneur, je t'en supplie. Deliver me from it now. Délivre-moi ce. In the name of Jesus Christ. Anything that will make me to enjoy this world. Tout ce qui va me faire justement end up in hell. Et finir en enfer. Father, deliver me from that thing. Délivre-moi ce. Is it my husband that want to send me to hell? Est-ce que c'est mon épouse qui va m'envoyer en enfer? Father, change my husband for me. Change mon épouse. Is it my wife that want to send me to hell? Est-ce que c'est mon épouse qui va m'envoyer en enfer? Change her for me. Change-la, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus. You know your own? Vous connaissez le vôtre? And cry to God. Yeah. In the name of Jesus Christ. Je voudrais pour vous, vous connaissez ce que vous connaissez. Pray. For the love of man, for the praise of man, Father, have mercy and forgive us. Have mercy and forgive us in the name of Jesus Christ. Oh Lord, open our eyes to see the damage we are doing to our soul. Have mercy, give us the grace to see it and to repent of it, Baba. In the name of Jesus Christ, let it be all about you, Lord, in my life and in my family. Fill us afresh, O Lord, in the name of Jesus. We have divine encounter with you, in the name of Jesus. Last thing, I wanted to pray. À la fin, je veux que nous prions. God said, you have to do it yourself. Seigneur dit, vous devez faire cela vous-même. David cried to God and God helped him. David a pleuré au Seigneur. You have to do the crying. Vous devez pleurer vous-même. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 21. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1. If a man therefore purge himself. Si quelqu'un se purge, lui se purifie lui-même. Call that sin by name. Appelez ce péché par son nom. Lord, I am a gossiper. Deliver me from gossiping. Seigneur, je fais du commérage. Lord, I lust after women. Deliver me from lust. Je suis faible devant les femmes. Lord, I am a man full of anger. Deliver me from that anger. Je suis plein de colère. Délivre-moi dans cette colère. You know. Tu te connais, vous David knew that he was not having the spirit again. David a su qu'il n'avait pas le vrai esprit. He cried in that about it. Il a pleuré devant le Seigneur. He knew that his heart was defiled. Que son cœur. He said, God, create in a clean heart. Donc, Seigneur, don't tell me, Seigneur, Father, if I have sinned. No. Que si j'ai péché, non. First of all, count the one you know. De tout ce que tu connais. Then you cannot put ETC. Et vous, maintenant, vous pouvez maintenant mettre etc. Every other sin that I don't know. Tous les péchés que je connais pas. Please, I want you to do yourself a favor. Je veux que vous fassiez une faveur. The sin you know about yourself. Les péchés que vous connaissez. Those sins that easily beset you. Les péchés. Call them by name. Appelez ce péché avec son nom. I say, God, deliver me. Seigneur, délivre-moi. Deliver me from this sin. Délivre-moi de ce péché. If you don't have anyone, I thank God for you. Si vous n'avez pas, je dis merci pour votre vie. People like you are the people God is looking for. Les gens comme vous, ces gens that don't have anything to confess. Qui a besoin, qui n'ont rien à for those who have sin to confess. Confess them boldly. Confessez-le avec un cœur ouvert. After death, no more confession. No. Après la mort, pas de confession. After rapture, no more confession. No. Après le rapture, pas de confession. Confessez maintenant.
In the name of Jesus Christ. Amen. Father, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our God, I come before you this hour. You said if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. Lord, I come before you. Deliver me from ungodly thoughts. In the name of Jesus Christ, Father, deliver me from ungodly thoughts. Deliver me from lust. Deliver me, Baba, I pray in the name of Jesus Christ. Oh Lord, my Father, I have no power of my own. Father, I come before you this day. Have mercy upon my soul. Deliver me from ungodly thoughts. Deliver me, oh God, I pray, in the name of Jesus Christ. Deliver me from evil and wicked imagination, in the name of Jesus Christ. Father, have mercy upon my soul. Deliver me, I pray, in Jesus' name, amen. And as you have disgraced that sin openly, comme vous avez dénigré, so shall God in his mercy embrace you and act. And those of all that were not bold to say their own out, ceux qui n'ont pas le courage de parler, I want you to understand it's no shame in hell. Je veux que vous savez qu'il n'y a pas de honte en enfer. Si leur étier de hâte, you say, I don't want to hear. C'est sur la tête qui donc, j'ai pas peur qu'il comprenne. May God have mercy upon you. Que Dieu ait miséricorde pour vous. And deliver from that pride in the name of Jesus. Wow. If you are there, you are not born again. Vous n'êtes pas né de nouveau. The Bible says. La Bible dit. The grace. La grâce. That gives salvation. La grâce qui donne le salut. Has appeared to all men. La parole à tous les hommes. Teach them. Les enseigner. That deny ungodliness. De refuser la sainteté. And worldly lust. Et les choses qu'on nous so badly and righteously. Nous on veut vivre dans la terre. In this present world. Nous on vivre humblement. Titus 2, verse 11. The grace have appeared to you now. La grâce est apparue en vous. Embrace it now. Embrassez cette grâce. Confess your sin before the Lord. Confessez vos péchés devant le Seigneur. Accept him as your Lord and personal Savior. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. And I tell the truth. Et je vous dis la vérité. You are just be enrolled in the book of life now. Vous savez, tu vois même mentionner le livre. And I want to believe. Et je crois. Those other bastards, in one way or the other. Que ceux qui ont retrouvé. We have returned back to the Lord now. Nous sommes revenus devant le Seigneur. I will never ever return back to sin again. Et nous allons jamais aller en arrière dans le Seigneur Jésus. For those of you who got born again. Pour ceux qui viennent d'être nés de nouveau. Do yourself a favor again. Fais une faveur pour vous. Call on any of the men of God the mountain. Appelez un des pasteurs de la montagne. For baptism. Pour le baptême. I go use it to baptize you. Je vais vous utiliser pour vous baptiser. To counsel you. Et vous conseiller. In the name of Jesus Christ. Le Seigneur Jésus. Let us pray. Prions. Our precious Holy Father, we thank you. Merci. We bless you because you love us so much. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Father, I know you so much that you are not ready to pet anyone. Tu connais si bien que tu ne peux pas nous dolorer. It's better to cry today, tomorrow, next tomorrow, and after next tomorrow, we realize ourselves and come back to you. C'est bien que nous crions, nous pleurons aujourd'hui, demain et le lendemain. You are not ready to let your blood that you shed for any soul this morning to be wasted on the last day. Tu ne peux pas gâcher tout le sang que tu as. De I pray that all your effort you are putting on us to make sure none of us is delivered to the devil on the last day will not be in vain in the name of Jesus Christ. Je prie que tous les efforts que tu as consentis pour nous, Father, the grace for your son Emmanuel to be the doer of this world be released upon him in the name of Jesus Christ. Grâce ton fils Emmanuel soit relâché. And the grace of everyone you are using to speak to today to go and be the doer be released upon them also in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, because I know. Merci, Seigneur, parce que je sais. You that helped Peter. C'est toi qui as aidé Pierre. Help Apostle Paul. Qui a aidé Apôtre Paul. And in your kingdom now. Ils sont dans votre, et ceux qui sont dans notre royaume. Help me. Tu vas m'aider. And everyone. Et tous ceux qui sont ici. You have brought my way. Que tu as amené vers mon cœur. I. When I get your kingdom. Lorsque je serai dans ton royaume. My son Emmanuel. Tu diras mon fils Emmanuel. Bravo. Bravo, everyone I brought your way. Tout ce que tu as amené, no one was lost.
personne avait maintenant été. So shall it be on that day in the name of Jesus. Amen. Thank you, precious Father. Merci. Thank you, Lord. Est-ce que j'ai parlé hors du contexte? Has your son interpreted wrongly? Est-ce que son fils a mal interprété? Have mercy upon us, O God. Et miséricorde. Amen. And let your name et que ton nom seul ever be glorified on this mountain, soit à jamais glorifié sur cette montagne, and in our families, et notre famille, in Jesus Christ, mighty au name. Nom du Jésus. Amen. You know, et si vous, vous savez que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a blessed you, vous a béni, why don't you give him a clap of praise? Praise the Lord. This is a mountain of solution and redemption prayer ministry worldwide, aka the Shepherd and the Bishop of our Souls ministry worldwide.